Bonjour à tous, on est toujours au Salon Nautique de Paris, au Nautique même comme on dit. Et on voulait vous montrer aujourd'hui deux trimarans repliables. La Suzanne 2.5 et le Tricat 690. Qui sont les deux. Alors c'est deux bateaux qui sont directement concurrents. Ils sont sortis en plus en même temps, sur la même taille. Et ils se retrouvent là maintenant face à face. Au Nautique. Donc voici le Tricat, j'étais à côté de l'Astuce tout à l'heure. Et je vous propose de les regarder simultanément, on va jouer un peu au jeu des 3, 4, 5 différences. On commence par le Tricat. Alors, on a, regardez bien la baille à mouillage, c'est un coffre comme ça, avec son panneau, finalement relativement classique. Vous verrez tout à l'heure que sur l'Astuce, c'est assez différent. Mais ça, à la limite, c'est anecdotique. Ce qui est plus structurel et plus important, c'est le système de repliage des flotteurs. Donc vous voyez là, cette pièce-là et ce bras, avec ici une sorte de rotule. Et donc tout cela se replie en arrière, façon Dragonfly comme on dit, parce que c'est le système historique, les Danois Dragonfly. Ça se replie en arrière, et tout en soulevant légèrement le bateau, la coque centrale. C'est un système qui a carrément fait ses preuves et qui a le mérite d'être très fluide. Et il suffit en fait de tirer sur un bout. C'est celui qui est dans la transversale. On va pas pouvoir filmer tout le système maintenant. Mais en gros, il faut enlever les deux goupilles de sécurité et aller sur ce bout rouge. Et votre bateau, il se replie en 2 minutes, montre en main. Donc ça fonctionne très bien. Et alors, il a un avantage ce système. C'est qu'il est tout à fait compatible avec des raidisseurs. Damien, il va falloir que tu montres ça de plus près. Vous voyez, les raidisseurs, c'est ces câbles qui vont là, entre côté flotteur là et cette espèce de cadenne là, à propos du niveau de la flottaison. Donc ça, c'est un raidisseur. Donc en fait, ça donne une rigidité transversale très, très importante. Et c'est génial parce que du coup, quand vous prenez une risée, c'est restitué en puissance immédiatement. C'est pas absorbé par le matériau. Donc ça, pour la perf, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec ces bateaux-là, bon, c'est la vitesse, mais en fait, c'est les accélérations. Parce qu'aller tout le temps à 15 nœuds, c'est sympa. Mais ce qui est vraiment jubilatoire, c'est de passer souvent à la moindre risée de 7 nœuds à 12 nœuds. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté mobilette. On va aller sur l'astuce. Donc l'astuce, il a un look sympa, c'est un plan VPLP. Et c'est vrai que depuis qu'Astuce travaille avec VPLP, bon, les bateaux ont gagné un peu en sex appeal. Ouais, je voulais vous montrer, puisque j'ai commencé par la baille à mouillage, on va faire pareil ici. Là, c'est tout le nez, j'allais dire, de l'avant du roof qui se soulève pour donner accès au mouillage qui se trouvera là. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal foutu. Et là, vous soulevez le capot. Alors après, il y a peut-être un système pour le maintenir en haut, à bricoler, mais tout le mouillage est au niveau de la est prêt sur la plage avant. Donc ça, c'est pas mal. Le système de bras est complètement différent parce que là, dans la tradition d'Astuce Boat, ce sont des tubes alus télescopiques. Donc là, vous avez une comment on dit, bref, une clavette quoi, un axe. On retire et tout ça, les tubes sont télescopiques, ça rentre dans les tubes au niveau de la coque centrale. On va pas se mentir, c'est un peu moins fluide parce qu'il faut vraiment que ça reste parfaitement parallèle, le flotteur et la coque. Dès qu'il y a un peu de déport, un peu de jeu, ça coince, donc ça demande un peu de pratique, mais ça fonctionne. En revanche, et c'est un peu un corollaire de ça, c'est qu'il n'y a pas de raidisseur. Donc bon, bah les tubes, ils sont quand même costauds, il y a une certaine... la raideur du matériau est là, mais je pense qu'il y a un peu plus de souplesse en termes de structure latérale. Voilà, on va maintenant jeter un coup d'œil au cockpit. Donc là, je suis dans le cockpit de l'Astuce 22.5. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce cockpit? Ce qui me frappe, moi, par rapport aux anciens Astuces, c'est que la barre, le système de barre, là, est simple et
est bien foutu, fonctionne avec le stick. On n'a plus ce système qu'on trouvait avant sur ces bateaux-là, où la barre faisait un coude en passant sous le bras arrière. Parce que ça, c'est un corollaire des systèmes de tubes télescopiques. C'est que forcément, ça barre un peu l'arrière du cockpit, puisqu'il faut bien que les tubes rentrent que le petit tube rentre dans le gros. Voilà. On peut aussi considérer que ça sécurise le cockpit, question de point de vue. Donc là, on va barrer avec le stick, hein, si on veut mettre sur l'épaule façon kata de sport. La barre d'écoute entre les deux tubes. Le panneau avec la petite soute arrière, le petit cocheron bien pratique. En termes de plan de pont, ça se passe plutôt par là. Vous avez l'écoute de foc, elle vient sur ce winch là. L'écoute de grand voile, son palan est là, donc sur le rail. Le Genacker, il a la drosse là pour le dérouler. Et son écoute doit venir par l'arrière, je suppose, là. Bon, tout ça, c'est du classique. Les drisses sont là. Là, vous avez la drosse de la dérive. Et alors, c'est une particularité sur ces bateaux-là, c'est que la dérive est légèrement décalée à bâbord, ce qui permet une facilité d'emménagement à l'intérieur qui est pas mal. Vous avez un volume qui n'est pas... On verra ça quand on ira à l'intérieur. Un volume qui n'est pas coupé par le puits de dérive. Concernant le pliage, repliage, alors Jean-Hubert Paumois, le patron du chantier Astuce Boat, va nous montrer son système de pliage-repliage magique. Non, il a innové un peu sur la façon d'utiliser le bateau. Donc vas-y, montre-nous comment ça marche. Donc là, voilà, tu as le bout de bleu qui rentre. Et la petite drosse bleue, elle est passée de façon à bien équilibrer entre les deux tubes. C'est clé. Hein. Dès que ça prend du jeu, c'est pas bon. Ok, donc là, on est plié. Alors, tu as changé le système en chemisant les tubes centraux. C'est-à-dire que tu as un robot à l'intérieur maintenant ? Il y a une bague complète de PVC qui permet. D'accord. Et on n'a plus cet effet de tiroir. Bac de PVC, ok. Cet effet de tiroir qui allait de donc le droite. Donc le système a été bien, bien amélioré pour que ce soit plus fluide. Et alors pour ressortir, comment on fait? C'est la même chèvre qu'on utilise pour le matage. On change l'embout pour qu'il vienne se mettre sur le livet. Oui. Malin. Écoute, c'est assez impressionnant. Non, ça fonctionne bien. Moi je dis ça, je me fatigue pas beaucoup, hein, mais. Fais voir, c'est facile ou pas? Ouais, ça c'est pas des self-cleaning, c'est ça le problème. Ouais. Ok. On est au bout là? Non, pas encore. Tout ce moment où on est en face pour les axes. Non, c'est bon. Pardon, j'ai trop mis? Non, c'est bon. Bon, ok, donc la chef de matage qui sert aussi. Pour déployer et sortir les bras. Bravo! Petit truc sur le repliage de l'astuce. Ce trou là permet d'avoir une position de repliage intermédiaire. Zoom pas trop parce que c'est flou après. Repliage intermédiaire à 3 mètres pour être moins encombrant mais garder de la stabilité et du coup c'est plus de confort au port. Voilà, c'est pas pour naviguer, on est bien d'accord, mais c'est pour être plus confortable au port. Alors, maintenant dans le Tricat 690. Donc, on n'a plus ces tubes qui sont un peu encombrants dans l'astuce. En revanche, le cockpit est bel et bien barré par le support de la barre d'écoute. Alors, je crois que c'est une option, cela dit. C'est pas incontournable. La barre, pour le coup, passe sous ce rail et sous ce support. Et on retrouve le stick. Et je note aussi ces petits balcons, petits soutiens lombaires. Enfin, pas lombaires, mais bon, bref. Petit balcon assez sympa pour barrer, si on veut barrer pendant longtemps, c'est pour barrer confort. Dans le fond de cockpit, c'est plus un, mais deux panneaux qui donnent accès à deux soutes différentes, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, il y a pas mal de rangements. Il y en a aussi dans ces volumes-là, qui existent aussi hein, sur l'astuce. Mais de mémoire, ils sont en revanche, ils sont ajourés, ils sont grand ouverts. Là, il y a un espace qui est...
qui est isolé du reste. Hop, la platine de la table de cockpit qui va aussi à l'intérieur, qui va aussi dans le carré. Et voilà, et un peu de flexitech pour les bancs. Après le reste, le plan de pont, bah, je pense que c'est assez similaire. Le foc qui revient sur ces winches qui me paraissent un peu plus gros que sur l'Astuce. La grand voile, bon, on a vu, le palan est pareil sur son rail. Et Génac, même principe, sauf que la drosse est de l'autre côté. Non, je vois pas bien. Non, la drosse de Génac, elle est là. Bon, enfin voilà, c'est assez des systèmes qui sont éprouvés et qui sont honnêtement pas très différents d'un bateau à l'autre. Bah écoutez, après il reste à voir à l'intérieur. Ah, peut-être avant d'aller à l'intérieur, il y a ce système que j'aimais pas, que j'aimais bien, qui permet de faire un cabriolet. Hop, voilà, ça c'est pas mal, ça fait un petit saut de vent. C'est tout simple. Et puis après vous passez le truc et là vous fermez complètement. Mais de pouvoir l'avoir en position intermédiaire, ça permet de s'abriter, de se tenir dans la descente en ayant la hauteur sous barreau, tout en étant abrité le temps d'une averse ou quoi que ce soit. Sympa. Ouais, ça marche bien ça. Ok, donc là on est dans l'Astuce 22.5. Volume agréable, moi je tiens ainsi confortablement. On peut, voilà, s'asseoir et s'adosser, il n'y a rien qui fait mal. On a ces deux pièces là qui sont c'est des nouvelles pièces qui n'existaient pas quand on a essayé le bateau, je crois, qui font des rangements sympas et qui peuvent servir à mettre un réchaud plat et puis de quoi grignoter là sur chaque bord. Et en fait, théoriquement, on fait soit ça, soit on utilise ceci. Qui peut être une cuisine mobile. Alors le truc c'est qu'elle, du coup, ça utilise une couchette, ça sacrifie une couchette d'une certaine façon. Voilà. Mais pour des gens qui naviguent, la plupart des gens en fait naviguent en couple ou naviguent à deux, voire trois sur ces bateaux-là, c'est un peu rare qu'ils soient plus quand même. Mais ça fait un bloc cuisine mobile assez pratique. On a des vide-poches ici, on a ça. C'est un complément de matelas qui vient se mettre là. Qui vient se mettre là, j'ai bien dit. Non, pourquoi ça marche pas? Ah oui, voilà. Le mettre comme il faut. Quand on le met comme il faut, ça marche mieux. Et qui vous fait donc la grande couchette avant. Plutôt confortable, plutôt sympa. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, et donc là, le puits de dérive dont je vous parlais tout à l'heure, il est là. Et il est donc décalé. Et que finalement, être décalé de ça, en l'occurrence à bâbord, ben une dérive, ça reste une dérive et ça ne va pas changer grand-chose sur le fonctionnement, sur l'hydro du bateau. Elle sera quasiment aussi efficace. Et effectivement, ça libère cet espace, ce qui est quand même hyper important. Bon, voilà. Petite croisière, raide, petite croisière. Est-ce que tu récupères pas la caméra pour montrer l'intérieur? Alors, passe. Mes petites croisières à 12 nœuds, voire plus quand il y a de l'air, c'est quand même des bateaux qui sont vachement sympas parce que ils envoient des watts quoi. Voilà. L'avant, donc la fameuse couchette double. C'est assez grand hein. Et le roof. Vision vers l'extérieur. C'est sympa. Là, on est dans le Tricat 690 à l'intérieur. Et c'est un bateau, donc le roof prend vraiment toute la largeur de la coque centrale pour vraiment maximiser le volume disponible. Et de fait, le volume est sympa. Quoi. Il y a ce qu'il faut. Il y a cette table qu'on a vue dans pas mal hein, de mini-croiseurs comme ça, qui est vachement bien faite parce qu'elle a un pied qui est montée sur une platine, la même platine qu'on a à l'extérieur, donc elle est transposable intérieur-extérieur, et elle bouge dans tous les sens, sur son bras, elle pivote comme ça, j'ai appuyé sur un bouton, ah mais non, on peut mettre la lumière, elle pivote comme ça, on peut faire plein de choses. Elle est peut-être un tout petit peu grande pour ce volume. Ça, c'est moi, ce bateau, j'ai dormi dedans à Penerf,
Et c'est vrai que le matin, on était un peu encombré par la table. Mais bon, en même temps, ça permet de prendre un vrai repas dessus. Voilà, des petits rangements un peu partout. La cuisine sur ce bateau-là, elle est plutôt au milieu et dessous, là, le réchaud est là. Et hop, caisse de rangement en bas. Nickel. Très pratique. Voilà, je me déplace. Là, on a pareil les volumes de rangement, la cabine avant. Et tout à l'heure, sur l'astuce, je vous montrais le petit panneau qui s'ajoute au triangle avant. Il existe aussi ici, il est plus grand, il se met carrément ici au milieu. Je ne vais pas vous le sortir, ce sera le bazar, mais on peut matelasser en un clin d'œil tout le milieu là, et là, ça fait une méga couchette. Voilà, à bord du Tricat, on est pas mal. Pareil, tu repasses la caméra et Alors, si ouais. tu veux montrer derrière. Voilà comment c'est fait. Couchette arrière. Il y a les 2 mètres là, il y a la profondeur. Hop. Triangle avant. La table. Beaucoup de place dessous pour ranger du matériel. Là, il y a un WC chimique, mais on peut mettre des tas de choses. Tu as dit qu'il n'y avait pas de dérive centrale. Et ah oui, tiens, important. On parlait de la dérive de l'astuce qui est légèrement décalée. Là, la dérive, cherchez-la, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Eh bien parce que sur le tricat, les dérives, elles sont sur les flotteurs. Voilà. Là, voilà la dérive. Donc c'est des dérives sabres qui sont dans les flotteurs. Ce qui permet de ne pas encombrer l'intérieur. Et voilà, et ça marche tout aussi bien. Voilà le Tricat. Sympa. Donc plan Jacques Michel et Antoine Oudet. Et construit à Radon.